هذا الشهر مباشرة. الماضي كما جرت العادة من فضلكم الهواتف في النقالة باش ما نبقاوش نعاودوا نفس الملاحظات. إخوة المصورين يتفضلوا ياخذوا بعض الصور قبل ما نباشروا في الندوة الصحفية. شنو بدرو تهدر شكرا بارك الله فيكم. ايا بسم الله. اذا مشاهدينا في انتظار بداية ندوة صحفية للناخب الوطني لا بأس بالتذكير بان تربص المنتخب الوطني سينطلق رسميا غدا الاثنين تحسبا لمواجهة منتخب الصومال يوم 16 من نوفمبر وبعده منتخب موزمبيق في تصفيات مونديال 2026. On passe nos condoléances à notre ancien président de fédération, M. Mohamed Laïb. Rabbi Rahmou, Biwasi Ali, Inch'Allah. Bah, nous avons commencé le majmoua de Tasfiya de Kass al-Alam. Comme vous le savez, مهمة جدا تبدأ بالنتائج أكيد إيجابي. لازم تفوز سورتو في الدار في بلادك ضد فريق نعرفوها باللي ماشي فريق اللي بكل احترام للصوماليا ماشي فريق اللي عندها في تاريخ كرة القدم في أفريقيا نتائج إيجابية. دونك ما يا با دو لازمنا ندو لي 3 بوان باه تبدا في هذا المجموعة من أحسن نتائج. ومن بعد عندنا هذا المباراة كي فا أغيفي تخي فيت 3 جور من بعد ضد موزمبيك اللي ما يتكونش سهل نعرفوا تو لي ديبلاسمون في افريقيا ماشي ساهلين pour toutes les raisons. Là on va voir toutes les conditions les معروفين الصعوبات puisque le match est à 14h je crois climat l'heure du match terrain la benna donc toutes les conditions que l'on connaît maintenant et on a le khibra fihom ou d'être fariq اللي تعرف تلعب في كرة القدم. On a des résultats, on a des matchs, on a des. Ils ont des références, notamment sur le dernier groupe de qualification Coupe d'Afrique, Sénégal par exemple, c'est un match référence. Rebhou fait Mozambique, Sénégal, Rebhou, Wahed Sefer. Ça veut dire les mèches faire Excel. Bon, on va y aller étape par étape. On va d'abord se concentrer sur le Moubarat à Somalie. اللي لازمنا نكونوا مركزين 100% وندو نديروا النتائج اللي نستناوها سورتو سور سي 3 بوان افوار سي 3 بوان هذه الاولى ابري هذه المجموعه سافيت دي تاسفيات جافي دي ان ميني شامبيونا دو دي رونكونتر كي فا سيتالي سور دوز ان دمي ا ببري اي دونك كي فا فولوار ات Et entre-temps, il va y avoir Kess Afrika, il va y avoir d'autres, je pense même encore la Coupe d'Afrique
2025. Donc ça va être entrecoupé, ça va être sur une longue période. Il va falloir être constant, il va falloir ne pas rater nos matchs, ne pas manquer de points et ne pas faire d'erreurs. Inch'Allah, voilà, l'objectif c'est ça, évidemment, de se qualifier à cette prochaine Coupe du Monde, Inch'Allah. Plus maintenant c'est sur Youssef Attal. Bah, Youssef, tout le monde sait, à la belle comme sa suspension, l'ASF, parce qu'il était dans une très bonne dynamique. On connaît le problème de Youssef, notamment de ces dernières années, les Isabat, les Kano Ando. Et on avait l'impression que il avait plus ou moins réglé. Et il était sur une dynamique de match en club et en équipe nationale aussi. C'est un coup dur, on va dire. Important d'avoir du temps de jeu et de jouer des matchs de haut niveau tels que la Ligue 1. C'est un problème, on va devoir le régler, on va devoir aménager des choses. On est avec lui sur cette affaire-là, bien sûr. Donc, de l'autre côté, il faut faire en sorte de ne pas pénaliser l'équipe. Et il y a des choses qui sont mises en place, il y a un programme qui est mis en place. C'est pas l'idéal, ça sera jamais l'idéal. L'idéal, c'est qu'il joue dans son club des matchs de première division. Ça va pas être le cas, mais on a la possibilité de limiter la casse. Inch'Allah, il connaît le Moustawa et on aura, Inch'Allah, qu'on verra Youssef compétitif. Salam alaikum. Salam. مباراتين الى لعب يوم 16 والثانيه راح تلعب يوم 19 نوفمبر يعني ثلاث ايام فقط بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه مع سفريه تاع اكثر من 10000 كيلومتر بين الجزائر وموبوتو بالمقابل منتخب موزمبيق راح يلعب في بوتسوانا يعني مسافه قصيره 800 كيلومتر حوالي 800 كيلومتر 800 كيلومتر دونك كيفاش حتتعاملوا مع هذا الامر ثلاث ايام فقط لتحضير مباراه الجوله الثانيه Oui, c'est. Anna, c'était même une surprise pour moi parce que la date s'étale jusqu'au 21. Donc, quant à la possibilité pour étirer la date et aller jouer jusqu'au dernier jour pour avoir une complète récupération, parce que aussi ils ont un match, hein, c'est pas comme s'ils n'avaient pas de match. J'étais surpris, mais on peut rien faire, absolument rien faire, puisque c'est eux qui décident de la date à laquelle ils veulent jouer. Écoutez, ça va être c'est le strict minimum syndical que d'avoir même pas 3 jours de récupération entre 2 matchs, avec un voyage, comme vous l'avez dit, de plus de 10 heures, près de 12 heures de vol, entre 10 et 12 heures. Donc je pense que la gestion du premier match va être importante contre la Somalie, sans donner plus de précision ou de détails. Ça va être comment on va gérer ce premier match qui va nous permettre d'être dans les meilleures conditions pour jouer ce deuxième match. Voilà. Bonjour coach. Coach. Pardon. Bonjour. Ferchelouch, Radio Algérienne. On parle un peu de la liste, il y a le retour des uns et que l'absence des autres, donc ils sont un peu victimes de la concurrence. On parle du retour de Adli Mounes avec le temps, on va dire, amoindri de Bouanani, donc il n'est pas présent. Un mot sur le retour de Bardet Bounjah qui figure sur cette liste. Si vous pouvez fermer la porte derrière, parce qu'il y a du bruit, là-haut. Effectivement, j'avais déjà annoncé, on a déjà fait sur ces derniers mois, sur toutes ces dernières dates FIFA, une sorte de,
pas une revue d'effectifs, mais la possibilité de certains joueurs, l'avènement de certains joueurs, de nouveaux joueurs de prétendre à cette sélection. On était sur des listes de 24, 25, des fois même un peu plus, hein, pour donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer, tout le monde, ceux que j'estime être des joueurs sélectionnables ce niveau international. Il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses, c'est la vie de toutes les équipes nationales. Et j'avais dit qu'au fur et à mesure du temps, les choses entreraient, les taux se resserraient, notamment dans la composition du groupe. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on revient au nombre qui va nous être alloué à la CAN, à savoir 23 joueurs. C'est ça qu'on va avoir à la CAN. Donc effectivement, de facto, logiquement, il y a des joueurs qui quelque part, entre guillemets, hein, qui s'éliminent. Qui disparaissent de cette liste, d'autres reviennent. C'est, comme vous le dites, la concurrence, tout simplement. Bardad, vous avez parlé de Bardad. Bardad, il a un poste sur lequel j'estime qu'il y a encore des choses à faire. Cette date FIFA, et généralement c'est comme ça, plus on s'approche d'une compétition, plus on s'oriente vers l'équipe, le groupe qui va jouer cette compétition. Mais il restera encore, il y a cette date-là, il restera encore un petit peu de temps avant cette liste définitive pour la CAN. Mais là, on est dans une période de qualification Coupe du Monde, donc je n'ai pas envie de mêler les choses. Mais il y a quand même un lien. Donc le poste est important, ce poste d'attaquant. Bardad est plus ou moins il a réglé plus ou moins son problème physique, il a rejoué des matchs, il a marqué des buts, ce qu'on demande. Donc son retour est d'une certaine forme, d'une certaine manière, pour moi, logique. À lui de confirmer sur ces deux matchs-là, s'il a possibilité de jouer, il l'aura. Et à lui de faire le nécessaire pour, comme d'habitude, de marquer de son empreinte sa sélection. Allez. مساء الخير كوتش. دائما في هانيش رايط من الاذاعه الجزائريه دائما في نفس السياق مباراتين مقبلتين، هل تشوفهم هما مباراتين معياريتين ان صح التعبير، خصوصا انه ما زال تقريبا شهرين على كاس افريقيا، او انه في تصريحات سابقة قلت أنه كل مباريات صعبة أو التركيز سيكون حول يعني خصوصا بداية مهمة بالنسبة لتصفية كأس العالم أكيد صعبة سورتو هذيك المباراة تاع الموزمبيك تكون صعيب هذه فو با ترومبي لو entre guillemets le public ou la légende le match contre le Mozambique. Je vous ai donné juste leur dernier résultat contre le Sénégal, ce qui est une référence aujourd'hui. Donc ils ont gagné 1-0 là-bas, tiré par les cheveux. C'est un match, ça va être un match qui est très très difficile, de par l'adversaire, de par le déplacement, de par tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le terrain, l'heure, tout ça va faire que ça va être un vrai match d'Afrique à l'extérieur sur une compétition importante qui est la Coupe du Monde. Donc sûr de Konsaïba. Ça, j'ai pas bien compris la question. À part ça. Référence de quoi? Chaque regroupement a sa vérité, chaque match a sa vérité. Gotelkom, bien sûr qu'on s'approche de la Coupe d'Afrique et donc on va vers l'effectif que j'estime et on joue des qualifications Coupe du Monde, donc on va vers l'effectif que j'estime être le meilleur effectif truc. Donc on va présenter aussi des équipes. Sûrement, où il va y avoir du changement entre les deux équipes, parce que aussi il y a ce délai très court de récupération, il y a ce déplacement. Donc, je vous ai dit, j'ai une idée évidemment de l'équipe qu'on va présenter, notamment à la CAN, mais je veux rester sur cette campagne de qualification Coupe du Monde, mais quand même en ayant encore la réflexion sur un ou deux, trois. Joueurs, mais puisqu'on a ces deux matchs rapprochés, on va voir une équipe qui va évoluer entre le premier match et le deuxième match, ça c'est sûr.
كوتش رانيا الواش صحفية قناة زد نيوز. بالنسبة للاعب بن ناصر وبالنظر للتدريبات المكثفة التي يقوم بها، هل سيتمكن من اللحاق بالكان؟ والسؤال الثاني بخصوص هل يمكن أن نرى عودة مبولحي إبراهيم مبولحي و بالليلي إلى قائمة الكان كوت ديفوار بالنظر للخبرة التي يمتلكونها في الملاعب الإفريقية؟ إسماعيل بن ناصر عنده إصابة، رجع للتمارين مازال مش مع مجموعة، تمارين خاصة، دونك أوكين ما نجموش نديرو الحساب عليه. Si il est disponible d'ici la CAN, eh ben ça serait une bonne nouvelle pour le groupe. Il faudra voir dans quelles conditions il sera. Mais on part du principe qu'il a eu une blessure assez importante. La Zemna Khedmo, bien sûr, l'élément important de l'équipe nationale d'Algérie, je l'ai toujours dit, c'est l'équipe nationale en elle-même. Donc, on ne se fait pas d'illusions. Hanan Khedmo. Il a été jazz fait à Delwart. On portera la réflexion. Pour les joueurs dont vous avez dit, Mboulhi, il reprend à peine la compétition. Il en est à son troisième match, notamment hier contre l'USMA. Avant-hier contre l'USMA. Donc, avant ça, il avait fait un match, je crois, deux matchs de Ligue des Champions. Donc c'est avec cette période, ce break qu'il y a eu là avec dans le championnat, ça arrange pas les choses. Mais bon, je pense que maintenant les matchs vont s'enchaîner. Il va y avoir de la Champions League au mois de décembre, je crois 4 matchs ou 5 matchs de Champions League pour Raïs, pour le CRB. Donc voilà, ça va être les matchs qui vont nous dire comment il évolue et la compétition. Donc on va attendre. Après, pour Youssef Blaili, c'est la même chose. Vous avez cité qui encore? Qui vous avez cité encore? Blaili, vous aidez? Brahimi? Barque? Ok. C'est une autre question. C'était l'absus. Bon, je vais élargir la... Moi, ce que je peux vous dire par rapport à tous ces joueurs... Raïs Mboulhi, j'en ai parlé, c'est gardien, c'est un job à part, il joue avec les mains la plupart du temps, alors qu'aujourd'hui les gardiens jouent avec les pieds. J'ai l'habitude de chambrer les gardiens en leur disant vous faites un sport différent. Bon, je vous ai parlé de Raïs. Pour ce qui est des autres joueurs, j'aimerais que la réflexion, parce que j'entends ce qui se dit, évidemment, et j'aimerais que la réflexion soit un peu plus, soit honnête, quand j'estime qu'elle est pas honnête, soit plus précise quand les gens sont sincères. Quand vous présentez un joueur, il faut toujours le mettre, toujours. Surtout que là, on va être dans une liste de 23, il y a 3 gardiens de but et tous les autres postes sont doublés. Donc quand vous parlez d'un joueur, il faut tout de suite le mettre en comparaison avec le joueur qui est déjà sélectionné. Par exemple, si vous citez par exemple Blaili ou si vous citez Brahimi, déjà eux deux sont déjà en concurrence. Ils jouent les deux au même poste, uniquement à ce poste d'ailleurs. Donc, puisque j'ai droit qu'à 2 joueurs par poste, je vous ai dit, je ne peux pas prendre un défenseur central, 4 avancantes, 12 milieux de terrain, c'est pas comme ça, c'est doubler les postes. Si vous me parlez de Blaili Brahimi, ils sont déjà les deux en concurrence. Après, si vous rajoutez Amoura et Gouiri sur le même côté, dites-moi comment on fait. Je ne peux pas prendre 4 joueurs au même poste. Donc si maintenant certains préfèrent, par exemple ceux qui citent, ouais Yassine Brahimi il est en forme, oui il est en forme, Inch'Allah. Mais quand tu cites Yassine Brahimi, donc il mérite de jouer. Donc il mérite de jouer, il mérite d'être là, je vous ai cité un exemple. Il mérite d'être là à la place de Gouri ou à la place d'Amoura, choisi. Donc maintenant en tant que commentateur de l'équipe nationale, tout commentateur qu'il soit, plateau, journaliste, tout ça, tout. Quand il cite Brahimi, il faut de suite qu'il dise « je préfère Brahimi à Gouiri, je préfère Brahimi à Amoura ». C'est comme ça qu'il doit parler. S'il ne parle pas comme ça, c'est qu'il est en train de tricher. C'est qu'il veut juste mettre des noms comme ça, où l'intention qu'il y a derrière. Quand tu cites, et déjà aussi quand tu cites Blaili, tu sais qu'il y a aussi Brahimi, et tu sais qu'aussi il y a Gouiri, et tu sais qu'il y a Amoura. Il faut en prendre que 2. Je peux en prendre 4, je peux en prendre 5.
Et Yad al-Rahma. Donc ça fait 5. Si tu cites, par exemple, si tu cites, tu auras le droit à ta question, celui qui veut te poser la question. Si tu cites Bouanani, l'île SF qui n'avait pas de temps de jeu, qui avait 50 minutes jusqu'au dernier match, il avait 50 minutes depuis le début de la saison, tu le compares tout de suite à Mahrez et Ounas. Tout de suite, c'est comme ça qu'il faut faire le... Il y a quelqu'un qui a cité... qui est-ce qui a cité? C'est toi, c'est qui a cité Sayoud. Par exemple, il le compare, si tant est encore... Faut, comprenez, vous savez un peu dans quel système je joue, il le compare tout de suite à Aouar et Shaibi. Ça s'appelle de l'honnêteté. Ça s'appelle, je suis l'équipe nationale, je comprends le football, et voilà qui je le compare. Il ne compare pas à Issa Mandi, ou compare pas à Ahmed Touba. Il compare aux joueurs avec lesquels il est en concurrence. Salam alaikum, coach. Vous avez parlé de la préparation de la Coupe d'Afrique. Je dépassais, coach, entre la 2019 et 2021. Maintenant, on est proche de la Coupe d'Afrique 2023. Est-ce que vous avez tranché sur l'hébergement de l'équipe nationale, en sachant qu'il y a une cité CAN, il y a plusieurs clubs, plusieurs équipes nationales, ou bien vous serez hébergé tout seul dans un hôtel? Les choses sont en train de se faire. C'est vrai que la préparation est pour moi indispensable. Et indispensable. On vient de citer les deux dernières Coupes d'Afrique. Celle de 2019, où on était vraiment dans les conditions qui correspondaient à ce qu'on allait trouver en Égypte, en termes de climat, en termes de, on a eu ce qu'il fallait en termes de matchs amicaux, dans les conditions qu'il fallait. Je vais même aller jusqu'au ce détail. Bon, ça c'est un pur hasard, mais du même nom d'hôtel, entre l'hôtel à Doha et l'hôtel en Égypte. Ça, c'est vraiment pour aller au bout de la chose. Mais c'est surtout les conditions climatiques et la possibilité d'avoir les matchs que l'on veut le plus important. Donc, sur ça, ça c'est sur la préparation. Donc là, on est en train de travailler là-dessus. Sur celle d'avant, on est resté pareil au Qatar. Il y avait, pour celle au Cameroun, il y avait des conditions extrêmement, extrêmement difficiles de par la présence de tout ce qui était Covid et tous les tests qu'il fallait faire et tous les avions qu'on pouvait prendre, atterrir dans un territoire, ne pas pouvoir sortir du territoire si on arrive avec le Covid. Bref, ça avait été une complication totale jusque dans la compétition elle-même où les différents dirigeants de l'organisation du COCAN venaient et vous disaient la veille « Hadaï Jimé Lab, Hadaï Labj » et nous on était concernés à 100% pour tout ça, 100%, il n'y a pas un joueur qui n'était pas concerné par ça. Donc, entre la préparation et les matchs, 100% des joueurs, 100% de nos joueurs, elle était concernée par ça, jusqu'au staff technique. Donc on a l'expérience de ces deux cannes là et on en a tiré évidemment des conclusions et puis de faire en sorte de ne pas recommettre, s'il y a eu des erreurs qui ont été faites, de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Pour le lieu d'habitation, ça fait aussi partie de l'organisation qui doit être bonne, qui doit être même très bonne. Donc avec les dirigeants, notamment le président de fédération et tout son comité, je ne me suis pas déplacé en Côte d'Ivoire puisqu'on avait un match contre je ne sais plus qui, on avait un match de champion le jour du tirage au sort, je crois contre le Cap Vert. Donc on s'est échangé les vidéos tout ça, il a vu ce que proposait le COCAN et il a l'expérience, hein, je crois qu'il a 3-4 Coupes d'Afrique, il a l'expérience de tout ce qui est logistique et notamment du lieu d'hébergement qui est indispensable, puisqu'on est censé être là-bas pendant un certain temps, j'espère le plus longtemps possible. Il faut être dans des conditions, des conditions qui permettent d'être à l'aise, d'être bien concentré sur les entraînements, sur les matchs. Donc on est en train de travailler là-dessus, le président est en train de travailler là-dessus, il connaît ça par cœur. Et sur ça, il y a un rapport de confiance, il a cette expertise-là. Donc je suis pas au détail près, minutieux, voilà, avoir un hébergement. Par rapport à l'idée de regrouper dans un lycée, dans un,
dans une cité, c'est ça qu'ils appellent un lycée. Le lycée, c'est pour les entraînements. Non, cité de la classe. Ouais. Donc, ouais. En soi, c'est pas l'idéal d'être tout le monde mêlé. Bon, je vais pas commencer à me mêler de leur organisation. Donc, je regardais l'INA. De se retrouver avec des équipes mélangées comme ça, ça m'a l'air un petit peu compliqué en termes de. Et puis souvent, c'est des équipes qui sont dans le même groupe que toi. C'est des équipes qui sont dans le même groupe que toi, puisque c'est un site. Si on nous, on va être à Boaké, donc ça va être toutes les équipes de notre groupe. C'est pas l'idéal. Donc, on est en train de voir une solution parallèle, Inch'Allah, qui nous mette dans les conditions qui permettent, Inch'Allah, Rabbi, le bon résultat, la performance, Inch'Allah. Bonjour, coach. Alors, question, coach, quand on a un match qui arrive contre la Somalie, qui, je le dis avec tout le respect pour les Somaliens, qui n'ont pas d'histoire sur le continent, vous l'avez dit vous-même, ni en club, ni en nation. Vous affrontez le Mozambique, qui est une équipe, une nation qui est en train d'émerger, bon, même si c'est encore modestement. L'approche dans la préparation, et ces deux matchs rapprochés, est-ce qu'elle est différente? Qu'est-ce qu'elle pose comme problème? Je ne vais pas vous demander le détail, mais juste sur l'approche. Et la deuxième question, vous l'avez abordée, vous avez votre liste, vous le dites, vous vous rapprochez de la liste qui sera retenue pour la Coupe d'Afrique des Nations, peut-être il y aura un ou deux changements. La question, les hésitations que vous avez, ou la réflexion, pas l'hésitation, la réflexion que vous avez, se porte sur combien de joueurs, si on peut avoir les postes également, ça serait intéressant. Mmh. Et si vous me permettez, la toute dernière, parce qu'elle va de soi, lors de la dernière conférence de presse, vous avez évoqué un sujet très sensible. Vous avez expliqué une démarche. Vous avez expliqué également la méthode. Mmh. Et là, je reviens, on a l'impression qui se dégage sur deux cas qui se sont posés, pas avec la sélection A, mais avec la sélection des U20. Est-ce qu'on travaille, tout le monde, de concert, justement, pour permettre... pour pouvoir capter les joueurs pour l'équipe A dans le futur. Le cas Guiri illustre très bien cette situation. Il était avec les espoirs, puis après il a rejoint l'équipe A. Les deux joueurs qui n'ont pas rejoint la sélection, qui ont préféré aller vers l'Espagne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait fallu, et vous l'avez dit d'ailleurs, hein, pas concernant ces deux joueurs, il faut les laisser maturer, tranquilles, de toute façon rien n'est compromis, que d'arriver à ce type de situation qui renvoie, je le dis, c'est un jugement, un manque de professionnalisme, voilà, tout simplement. Bon, j'ai eu une discussion en venant ici à Sidi Moussa il y a trois jours avec Rapide, hein, avec le DTN que je salue et qui je suis sûr et je ne le connais pas avant cette histoire même, parce que j'ai suivi évidemment ça, tout ça, mais je suis sûr que ça partait d'une bonne intention et si je peux me permettre, et je ne pense pas que ça soit lui faire lui manquer de respect, loin de là. Je sais qu'il est déterminé à faire beaucoup de choses et faire en sorte de ramener encore certains joueurs sur lesquels on pourra compter dans l'avenir. Je parle de l'équipe A, hein, dans l'avenir. Je sais qu'il est dans cette démarche-là. Mais bon, ça ne serait pas de trahir notre discussion que de dire j'estime qu'il y a eu sur cet aspect-là un petit peu de naïveté. Un petit peu de naïveté, je dis ça avec beaucoup de... bienveillance. Il ne s'agit pas de tirer sur qui que ce soit parce qu'il a ramené aussi d'autres joueurs. Il a, en tout cas, lui, son groupe, ceux qui bossent avec lui. Dans le sens où à partir du moment où généralement on sollicite ces joueurs qui sont dans certains clubs de bon niveau, on crée comme un signal d'alarme dans ces clubs-là et dans ces fédérations-là. Alors si par exemple une équipe nationale, en parlant de ces joueurs-là, qui sont en équipe, qui ont choisi l'Espagne, nouvellement, ils ont été en équipe nationale d'Espagne, à partir du moment où la fédération algérienne a fait la démarche. Donc c'est pour ça que je parle de signal d'alarme. Donc s'ils étaient restés dans leur club, je ne suis pas sûr, et qu'on les avait pas démarchés, je ne suis pas sûr qu'ils auraient été appelés par l'équipe U19 ou U20, ou je ne sais pas si c'est U20, d'Espagne. La situation est compliquée. La situation, elle est telle que je l'ai vécue. Déjà, joueur, je voyais un petit peu comment ça se passait. Moi, joueur, jeune, je l'ai vu avec tous les joueurs qui nous ont rejoints, avec plus ou moins de difficultés, plus ou moins. Il y a eu des joueurs où c'était très facile, je vous les ai déjà dit. Bouanani, Shaibi, ça glissait, c'était très facile. Les clubs
les clubs, je vais dire publiquement, je pense que je l'ai déjà dit, je vais le répéter, les clubs en Europe travaillent avec leur fédération respective. Ils bossent ensemble. Il y a des accointances, c'est eux qui disent aux clubs, c'est les clubs qui disent aux fédérations, voilà, on a tel joueur, tel profil, tel poste qui est en train de grandir. Ça, c'est clair et net. Donc, à partir du moment où ces clubs travaillent comme ça, conjointement avec les fédérations, quand nous arrivons chez eux et qu'on leur dit, nous, on veut prendre ce joueur-là, il y a de suite, c'est de suite, le contact, il se fait automatiquement. Voilà, attention, il y a la fédération algérienne qui est venue prendre ces joueurs-là. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Hein. C'est eux qui forment les joueurs et tout ça. Donc, alors, quelle est la solution? Déjà, je n'ai pas de solution miracle. Juste par expérience, hein, sans véritable grande réflexion, mais par expérience, si vous arrivez à voir le joueur et qu'il n'y a pas de souci, vous le convoquez et qu'il n'y a pas de souci. Moi, quand je dis la naïveté, c'est d'avoir fait, surtout d'avoir sorti la liste. C'est pour ça que je dis, j'ai toujours un problème avec ces histoires de liste, parce qu'on donne à la Vox Populi, on leur donne plein d'espoir, des noms, et puis soudainement on dit, ah non, finalement, Hedam Ejij. Donc, moi, je pense qu'on aurait, sur la forme, le fond, d'aller contacter ces joueurs-là. L'idée, elle est pas mauvaise. On va les contacter. Ils sont enclins à venir. Les clubs les libèrent. Il n'y a pas réellement de soucis, tout ces trucs et tout. Et qu'on ne perturbe pas leur formation. Donc, ça, c'est des rapports avec les clubs. De toute manière, c'est une histoire de date FIFA. Donc, si les clubs ne veulent pas libérer, ils ne libèrent pas. Donc, si les clubs libèrent, ça veut dire qu'ils sont coopératifs et donc il n'y a pas de soucis. S'ils acceptent ça, on y va. S'ils n'acceptent pas ça, eh ben on ne force pas. S'arrête. Moi, des joueurs d'équipe A, qui sont devenus des joueurs d'équipe A, j'ai tous opéré de la même manière. On n'a jamais forcé qui que ce soit. On explique bien, il y a une constance, il y a une continuité dans les rapports, dans les discussions. Ça prend un an, deux ans, trois ans, s'il le faut. Tranquillement, en attendant, on travaille. C'est bon, on n'attend pas les joueurs. En attendant, on travaille. Et puis vient le jour où les conditions sont réunies pour qu'ils puissent nous rejoindre. Alors, les joueurs qui sont dans des centres de formation comme ça, on les sollicite. Ils peuvent venir mieux. Ils ne peuvent pas venir, on les laisse dans les clubs. Ils bossent. Il faut donner aussi l'impression aussi à ces fédérations, etc., qu'ils vont pouvoir bénéficier de ces joueurs-là sur lesquels ils sont en train d'investir. Si très tôt on les prend de force et tout, on peut casser une dynamique, on peut casser des étapes de formation, on peut les empêcher de... Donc bref, il y a une vraie analyse à faire là-dessus, une vraie réflexion à faire là-dessus. Je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Sur le fond, c'est pas mal, cette démarche qui a été faite, elle est pas mauvaise. Sur la forme, peut-être que voilà, il y a eu un peu de naïveté, un peu de truc, je pense, comment, un peu de maladresse, un peu de naïveté, et je pense qu'ils le reconnaissent aussi. Mais moi, j'aime pas l'idée qu'on leur tire dessus et truc, parce que dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont recruté deux joueurs sur lesquels ils ont annoncé, et ces joueurs, et en plus ces joueurs ont dit qu'ils, d'après eux, hein, d'après le DTN, j'imagine que c'est vrai, ils n'auraient pas mis dans une liste. Ils ont dit qu'ils voulaient rejoindre l'équipe nationale, les parents, les joueurs, le club apparemment, le centre de formation, le directeur du centre de formation. Mais à la fin, ils se sont retirés quand justement il y a eu l'Espagne qui est venue se juxtaposer. Hein, ouais. Et qui a été payante, ouais, sur... J'ai suivi toutes vos conférences de presse. Donc sur le temps, vous avez joué la prudence, vous êtes parti doucement. Mais également, à partir d'une expérience qui est vécue, la vôtre, et vous l'avez dit en conférence de presse, laissez maturer le garçon tranquillement, garder le contact. Je suis plus pour ça, moi. Voilà, c'est pour ça que je reviens. Votre expérience doit servir à tous ceux qui arrivent derrière, notamment sur la question des joueurs algériens nés en France. Voilà, c'est pour ça que j'ai... C'est le vécu, parce que le vécu compte énormément sur ce type de situation. Non, mais de la manière dont je dis ma mal, c'est exactement ce que j'ai dit au DTN. J'ai dit, moi, mon avis, c'est ça. Et je dis, à côté de ça, ça profitera sur un truc sur lequel je suis d'accord. Ça profitera au fait d'intensifier, de mettre tout en œuvre pour former ici, pour former en Algérie. Voilà, ça, c'est un éternel sujet. Mais faisons-le. Et quand on voit qu'on forme, je vais plus citer de club parce qu'apparemment, ça pose problème à certains. Mais quand je vois... Le club qui est premier du classement du championnat. Ça pose problème. Avec des enfants. Ça fait donc, ça pose. Ouais, bah, certains, ça pose problème, puisqu'ils sont dans des petites cases, dans des petits calculs. Alors que nous, on voit l'intérêt national, au moins, ils sont dans des petites affaires. Donc, voilà, prenez. Il y a des modèles qui marchent. À partir du moment où il y a de la bonne volonté,
je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Beaucoup, la qualité, le talent, le truc, on l'a, on ne va pas le répéter. Ce n'est pas moi qui invente ça. Aujourd'hui, il y a un problème avec ta chaise. C'est à la que débise ma course. Donc, moi, pour moi, c'est ça. C'est une occasion d'insister sur le vivier national, de mettre en place, j'espère, il y a une nouvelle direction qui arrive. On accorde le bénéfice du doute à ceux qui arrivent à chaque fois. Et je vois quand même les choses, certaines choses à l'intérieur, qui ont l'impression que les choses bougent assez. Donc j'espère qu'on mettra une vraie politique de formation. J'ai toujours souhaité ça, j'ai toujours pensé ça. On a cité des joueurs, on a cité Blayley, on a cité ça, on a Attal, on a peu. Sur le modèle, je ne sais pas, il y a un modèle, vous l'avez dit, qui a fonctionné aujourd'hui, c'est un modèle, mais d'aller sur les centres de formation. Est-ce que ça va se faire avec un pays étranger qui a réussi en la matière ou pas? Ça, je ne sais pas, mais je sais qu'aujourd'hui, la priorité est donnée à la formation. Et ben voilà. Et ben je suis sûr qu'on aura des résultats. C'est pas parce que je suis visionnaire ou devin. Je sais qu'on a de la qualité. Je sais que quand on fait juste un petit effort de formation, on a des résultats, on a des vrais résultats. Donc, à partir du moment où il y a une politique, même si le football n'est pas une science exacte, c'est une certitude qu'on aura des joueurs de qualité à l'avenir. Donc, et puis, plus tard, on récupère ces joueurs-là. Et je vous dis, s'il y a des joueurs qui sont enclins dès maintenant et qu'il n'y a pas de problème avec les clubs et qu'ils n'y voient aucun souci, à la limite, c'est le rapport avec les clubs. C'est très, très important. Une fédération, en tant que fédération, nous, on est une fédération étrangère quand on arrive chez eux. C'est nous on doit créer ces liens. Moi, je ne sais pas, en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur, je suis en contact avec beaucoup de présidents de fédération. Et je sens le poids de la responsabilité dans les échanges. Je me dis que je ne parle pas en mon nom, je parle au nom de la fédération algérienne en tant que technicien sur des situations bien précises. Donc à chaque fois que je m'adresse, à chaque fois que je parle, même si des fois j'ai envie je tempère pour pouvoir créer. Un jour ou l'autre, on en parlera en détail, mais je vois les résultats que ça crée, des liens avec les clubs. Croyez-moi que quand on est dans ce rapport humain et tout, croyez-moi que ça porte ses fruits. Voilà. Passer en force, ça ne marche pas de toute manière. Passer en force, ça ne marche pas. Sinon, c'est un sujet intéressant de toute manière. C'est pour ça qu'on prend plus du temps. Mais c'était quoi l'approche concernant les deux matchs, vous affrontez une équipe présumée faible, et après vous avez quand même le Mozambique trois jours après. L'approche, comment elle se fait? Les équipes, je suis tout à fait d'accord, c'est les résultats qui le montrent, elle est présumée faible. On va pas tourner autour du pot. Mais vous savez que des équipes présumées faibles, il y a à chaque fois des mauvaises surprises dans chaque date FIFA, partout. Dans tout le continent, même d'ailleurs des fois en dehors du continent, dans d'autres continents, en Europe, on peut trouver ça. Il y a toujours, et surtout le démarrage d'une campagne de qualification Coupe du Monde, c'est déjà juste le titre, la compétition elle-même, elle grossit plus le match que, je sais pas, si tu me disais peut-être qualification Coupe d'Afrique, ça serait déjà une approche peut-être différente. Non, je ne parle même pas d'un match entre guillemets amical. Mais là, c'est qualification Coupe du Monde. Il y a de suite cette idée de, eux, ils vont élever leur niveau, ils vont élever leur niveau de concentration, niveau de motivation, de tout ce qu'on veut. Puis ça reste qu'on le veuille ou non, on dit le terme comme ça, ça reste, je respecte ça. Ça reste des athlètes, ça reste des sportifs de haut niveau. Ils sont capables, s'ils travaillent ensemble jusqu'au bout, et qu'ils sont capables de gagner du temps, gagner du truc. On connaît ce genre de match. Donc on ne veut pas tomber sur cette erreur-là. On n'a pas d'excuses. Donc on est dans cette idée de... C'est une double... Si j'avais un match le 16, j'avais un match le 21, la chose serait différente. J'ai un match le 16, j'ai un match le 19 et j'ai 10 heures de voyage entre-temps. Donc, je ne sais pas si vous le savez, on part tout de suite après le match. Donc, on joue à 17h, on part le soir à 23h. Donc, il va y avoir une approche, bien sûr, une approche différente. Il va y avoir un calcul sur ces deux matchs-là, une gestion de ces deux matchs-là, elle est obligatoire. Mais en même temps, je dois faire en sorte de m'assurer que sur ce premier match-là, on ne fasse pas d'erreur, qu'il n'y ait pas d'accident. Donc ça, je dois m'assurer de ça. Donc il faut combiner les deux choses. Et puis c'est pour ça qu'on risque de voir situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. On risque de voir des choses durant le match inhabituelles que je vais devoir faire à partir d'un certain moment. Vous comprendrez, Inch'Allah. Comment? En matière de coaching, vous comprendrez normalement durant le match
Ça sera un peu bizarre, mais c'est pas tous les pas toutes les équipes qui jouent un match internationaux. Je crois pas qu'il y en a, je crois pas que ça existe que chez nous ça. Je suis sûr dans la zone Afrique là, je suis sûr qu'il y a aucune équipe qui joue le 16 et le 19. Peut-être le 16 et le 20, le 16 ou le 21 la plupart. Je suis sûr qu'il y en a aucune qui fait ça. Donc on va devoir s'adapter à ça. Et voilà, j'espère que les choses vont se dérouler comme on les a planifiées. Après. Oui, de toute manière, je me dois d'être dans la réflexion de par les joueurs qui sont en concurrence et qui sont de valeur. Je me dois d'avoir cette réflexion jusqu'à l'ultime moment. Et je le dis réellement, hein, c'est dans ma tête ce groupe-là et ce qui est le groupe qui est là pour ces qualifications Coupe du Monde. Et pour moi, le meilleur groupe. Mais il y a encore un peu de temps, et puis il y a des choses qui peuvent se passer, vous le savez, hein, les blessures, les grosses méformes, les choses qui peuvent se passer à certains postes, et je vais être attentif jusqu'au bout, ça c'est sûr. Salam alaikum. Salam alaikum. Coach, vous avez parlé de la formation et des difficultés par rapport aux Algériens qui sont nés en France, et de les faire venir ici pour les catégories jeunes de l'équipe nationale. Ici en Algérie, Inch'Allah, c'est vrai qu'on est en retard, mais mieux vaut tard que jamais. On se dirige vers la formation. Il y a le Mondial d'Alger qui a signé un partenariat avec l'Aston Villa. Il aura bientôt son centre de formation. C'est le même projet de l'USMA d'Alger, le CRB, plusieurs clubs ici en Algérie pour former les jeunes et les injecter dans les différentes catégories de l'équipe nationale. Et peut-être, en fin de conférence de presse, un mot par rapport à tout ce qui se passe à Gaza. Merci. Oui, j'ai vu il y a 2-3 jours, avant-hier, je suis passé à Baraki, voir le terrain, et j'ai rencontré des jeunes du CRB, apparemment leur centre de formation est pas loin. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des clubs qui enfin consacrent du temps et à ce volet indispensable, incontournable. Vous savez, je suis issu, je vais vous donner une petite expérience. Moi déjà, je suis issu d'un centre de formation, j'ai fait toutes les étapes d'un centre de formation. Je suis arrivé à 14 ans dans un centre de formation au PSG, et j'en suis sorti à 19 ans. J'ai fait tout le cursus. Des fois, on arrive à 17 ans, 18 ans, 16 ans. Moi, j'ai fait depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à devenir pro. Et en même temps, j'ai participé à la création d'un club au Qatar, qui est un des meilleurs clubs aujourd'hui d'Asie, qui s'appelait le Dohil, qui s'appelait l'Erkouya à l'époque. Donc justement, on arrivait, on a insisté d'abord sur les équipes, l'équipe première et la réserve, et ensuite on a travaillé sur la formation avec beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on est sûrement le meilleur centre de formation, ce club en tout cas, c'est le meilleur centre de formation du Qatar, peut-être même d'Asie, parce que je vois il y a énormément de qualité. Et je vois qu'en si peu de temps, entre la création du club, c'est en 2009. Aujourd'hui, ça fait déjà 5-6 ans qu'on est quasiment les 7 ans maintenant que ce club est le meilleur en termes de formation. Je vois qu'il y a une volonté, alors qu'on n'avait aucune catégorie de jeunes, qu'il y a une volonté de travail, tant dans le scouting. Le centre de formation, c'est une élite, hein, donc il y a du scouting à faire, choisir les meilleurs. Chaque club a ses scouts pour aller choisir les meilleurs. Et c'est avec les meilleurs qu'on forme. La formation, c'est un groupe élite. Donc on a une vraie cellule de scouting. Ensuite, ils ont ramené des vrais formateurs. Aujourd'hui, en très peu de temps, bon, le pays est plus petit, mais il y a moins de qualité. Là aujourd'hui en Algérie, tu crées ça, tu crées. Je dis, j'ai pas envie de reciter le nom du club, mais aujourd'hui, c'est le club qui nous donne le plus d'internationaux. C'est le club qui s'autofinance. C'est le club qui vend des joueurs à l'étranger. C'est le club qui aujourd'hui promet du classement. Je peux en dire des choses, qui est en train de créer son centre d'entraînement avec ses propres fonds. Donc c'est quand même un modèle qui fonctionne. Et le modèle, il est simple en fait. C'est d'abord avoir des cellules de scouting, après émettre des formateurs de qualité avec une structure, avec des infrastructures. Donc à partir du moment où on a ça, donc ces clubs apparemment sont sur cette lignée-là, je ne connais pas les détails de leur travail. Je suis sûr qu'on peut avoir très très vite du résultat. Il y a plus de garanties dans notre pays que dans d'autres pays où il y a moins de qualité, où il y a moins de vivier, où il y a moins de talent. Donc j'espère que les gens ont pris ça très sérieusement.
ne serait-ce que pour leur intérêt à eux. Hein. Les clubs, ils pensent pas quand ils forment, ils pensent pas à l'équipe nationale A. Ceux qui mettent de l'argent des entreprises, entreprises étatiques ou des entreprises privées, ils mettent de l'argent, c'est pour avoir des joueurs dans leur club, les faire grandir, peut-être demain avoir des résultats avec eux, les vendre, tout ça c'est légitime, pourvu qu'ils le fassent, tout simplement, pourvu qu'ils le fassent. Ça va, mon coach. Quatre questions. Ouais. On a une conférence, Inch'Allah, l'une Al-Bi'a. On prend trois ou quatre questions. On arrive. D'accord. C'est avec mon coach. Coach, j'ai des questions. سؤال طبعا راح يكون حول لاكان كوتش الكاف حددت تاريخ 13 ديسمبر لارسال القائمه الموسعه راح يكون فيها 55 لاعب القائمه الاساسيه راح يكون فيها 23 لاعب مع اربعه لاعبين كاحتياط كيفاش راح تتعامل مع هذا القرار الصعب نعم ثاني سؤال راح يكون تكميلي لسؤال الزميله حول اللاعب اسماعيل بن ناصر كوتش نادي ميلان حدد تاريخ 4 جانفي باش يعاود يرجع اللاعب يلعب اسك راح يلعب كاساسي او لا هذه ما يعني تعود للفريق طبعا في القانون كوتش يقول في منافسه رسميه يلتحق اللاعب باسبوعين طبعا تربص المنتخب اللي راح يكون ما بين 20 ديسمبر ان شاء الله كوتش اللاعب بعد الإصابة اللي تعرض لها راح تكون أكيد إصابة هي مش عادية تشبه إصابة فوزي غلام الإصابة هذه راح تكون يعني ربما راح تحرمه من الكان حبيت نقول لك كوتش اللاعب يستحق باش يعاود يرجع للفورمة العالية يستحق حوالي 6 أشهر وهذا عندك البرنامج راكي طبيبة راكي عندك 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 سؤال علي انا ما عنديش معليش باش نقول لك برك كوتش لو تصرى يعني معجزة ويرجع يلعب لاعب لاكان ربما راح يتعرض للإصابة وهذه الإصابة لو يتعرض لها بعيد شر احنا نقولوا له علي لو يتعرض لها راح تحرمه من يعني تنهي له مشواره هل فكرت في هذا الشيء؟ اوكي. بون je vais commencer par aider à Ismaël Ben Nasser. Ismaël Ben Nasser a eu une isaba muhimma, isaba ماشي سهله et rare en plus à son âge. Et je vous l'ai dit depuis le début en plus pourquoi j'ai pris des gants en vous disant en vous donnant une sorte de diagnostic médical parce que je suis pas malanish tbeb et je vous ai dit depuis le début que sa blessure c'est pas comme un par exemple un ligament croisé qui a un protocole qu'on connaît plus ou moins en fonction des différents joueurs ça peut aller de 5 à 6 mois, 7 mois en fonction de l'évolution des uns et des autres. Le corps d'un joueur, ce n'est pas le corps de l'autre. Donc chacun a sa manière de revenir sur une blessure. Mais on peut fixer plus ou moins des dates quand on a des blessures classiques, même si elles sont graves, du type ligament croisé. Sa blessure à lui, je ne rentrerai pas dans les détails, ce n'est pas à moi de le faire, sa blessure à lui est différente. Elle est différente, mais ce que je peux dire d'ores et déjà, elle est complexe, dans le sens où moi j'ai eu ça, peut-être pas sur un accident comme lui d'un coup, j'ai eu ça sur un certain délai, sur un certain temps, mais c'est in fine, c'est la même blessure. Donc c'est pour ça que je parle avec un petit peu d'expérience, en disant que on peut pas fixer concrètement une date de retour. Donc nous, ce qu'on fait là, on travaille, on bosse, on est attentif, bien sûr, ne serait-ce que par solidarité pour notre joueur qui est Ismaël, on est attentif à son évolution. Même si ce n'est pas pour revenir pour la CAN, même si c'est pas le but, c'est de toute manière, en tant qu'éducateur ou qu'entraîneur, la priorité des priorités, c'est la santé de nos joueurs. Donc on n'est pas là pour aller prendre des risques, on n'est pas là pour aller précipiter son retour. Si demain, il venait, parce que étape après étape, les choses ne peuvent pas, ni le coach du Milan AC, ni personne, ni moi-même, encore moins moi, puisque je ne suis pas au quotidien avec lui, même si je l'ai régulièrement au téléphone, personne ne peut donner, si le coach a dit qu'il reprenait qu'en janvier,
Olaken, ça peut être, vous pouvez peut-être le voir, peut-être, je ne suis pas en train de dire c'est sûr, peut-être qu'au mois de décembre il sera en train de jouer, donc on ne sait pas. Donc à chaque jour suffit sa peine, je le répète souvent, il est en train de se préparer, il est en train de bien se préparer, il est en train de bien travailler, donc il reviendra quand il reviendra, si c'est pour la CAN, tant mieux, c'est qu'il aura validé tout ce qu'il faut pour pouvoir prétendre à jouer une compétition aussi difficile, aussi éprouvante que la CAN. S'il ne peut pas, il reviendra quand il reviendra. Je pense que c'est un sujet sur lequel on est clair là-dessus. En attendant, nous travaillons, et il y a des joueurs, je dis, même si c'est un joueur important, comme les Riyad Mahrez, comme les Inch'Allah Nabil Ben Taleb, comme les Rami Ben Sebaini, on ne peut pas baser notre sélection, il ne faut pas baser notre sélection sur des joueurs mais aussi importants soient-ils. C'est la sélection et c'est le groupe qui feront qu'on ira loin et qu'on peut obtenir des titres. Voilà. Donc le cas Ismaël Benacer, je n'ai pas envie de revenir dessus. Ensuite, sur le Barnama Jidirte, il y a des choses vraies, des choses moins vraies, il y a des choses que vous avez que moi je n'ai pas. Mais en tout cas, d'ailleurs, je ne sais pas c'était quoi la question par rapport au Barnama. Ah, liste élargie, tout ça. Oui, on a des dates, on a des choses, on va respecter les dates, et j'ai répondu déjà à Mahamar. Jusqu'au bout, la réflexion se fera. Les clubs terminent plus ou moins autour, c'est pas tous les clubs, mais par exemple les clubs français, il y a beaucoup de joueurs du championnat de France, terminent autour du 20-21 décembre. Les Italiens, un an plus tard cette année, ils ont d'autres matchs, ça s'étire jusqu'à fin décembre. Les Anglais ont le Boxing Day, il y a plusieurs paramètres, plusieurs choses qui sont évidemment prises en compte. Avec tous ces éléments-là, on va faire en sorte d'avoir le meilleur groupe possible pour cette CAN, Inch'Allah. Salam alaykoum, coach. Saïd Amrouch, Jaridat Al-Ahdaf. كوتش الخامس الماضي في جامعة الجزائر 3 يعني وقفت دقيقة صمت رفقة الطاقم الفني على أشقائنا في فلسطين وغزة وبعدك بساعات يعني شفنا عيسى ماندي وين رفض تضامن مع الصهاينة وما دخلش إلى وسط أرضية الميدان وقبله محرز وعطال اللي ضامنه مع القضية الفلسطينية وهذا موقف مشرف منكم وهو تعليق الكوتش على هذه الخطوة وسؤال ثاني يخص يعني الورشة الأخيرة اللي نظمتها في جامعة الجزائر 3 مع التربية البدنية يعني وإن كانت مفيدة للطلبة وهل يطمح الكوتش إلى برنامج ورشات أخرى مستقبلا؟ déjà هذه je réponds déjà à la deuxième question. Ça faisait longtemps que j'avais reçu plusieurs invitations de ce style. Moi, j'aime tout ce qui a un rapport aux études, quelles qu'elles soient. C'était avec un grand honneur, un grand plaisir de partager avec notre expérience au Talmou Badana sur nos différentes expériences. Donc, c'est une chose que j'aime faire. Sûrement que je referai ça dans l'avenir, même si normalement, sans, ça devait se faire en comité restreint, comme condition entre guillemets, ça devait être les étudiants et moi-même. Vous étiez présents en masse, c'était pas le but. Bon, ça c'est un détail. Non, Inch'Allah, dans l'avenir, s'il y a des choses à faire et que je peux être utile. Et moi aussi apprendre, c'est avec plaisir. Après, pour la cause de nos frères Palestine, bien sûr, on a ma'hum, da'mouhum, déjà, pour pas faire les hypocrites, on peut da'mouhum ribid bid-du'a, hein, donc pas se raconter de bêtises, et rabbi hafadhum, rabbi shafi les malades, les morts, Inch'Allah que tout ça cesse le plus vite possible. Là, maintenant, chaque jour qui passe, c'est un jour très très difficile. Saïb Jeddan Lihum, ou Lina Melbeid, ça Lina. On doit avoir une pensée pour Kulyum, Fekud Dua, Fekud Salat,
Et il faut exiger que voilà, les choses s'arrêtent le plus rapidement possible avant de faire le sèvre sur quoi que ce soit d'autre. D'abord que ça s'arrête, après on peut passer à d'autres étapes. Salam alaikum, Ahmed Yazid Duma, la chaîne Bilot. Coach, deux petites questions. La première, je vais enchaîner sur la question de Mahamar, un autre joueur au Milan AC qui a enchaîné quelques matchs auparavant, même s'il revient sur le bon touche, Yassine Adli. Est-ce qu'il intéresse toujours Jamal Belmadi dans l'avenir par rapport à sa réponse, par rapport à son dossier? La deuxième question, c'est le retour au stade justement Nelson Mandela après le 19 mai à Annaba et Chahid Hamlaoui à Constantine, justement, et le retour aussi du public après un mois d'absence, question de solidarité avec le peuple palestinien. Merci. Pour Yassine Adli, je pense j'ai déjà répondu. J'ai déjà, pour le coup, pour parler clairement, j'ai déjà plusieurs fois discuté avec lui depuis pas mal de temps, pas mal d'années, donc depuis Bordeaux, on va dire. Hein? Comme j'ai dit à ma maman, l'idée, entre guillemets, la balle est dans son camp. Maintenant, je fais l'approche du sélectionneur dans le domaine technique et explication du projet, comme je l'ai fait avec tout le monde. Et maintenant, la balle est dans son camp. Donc, Ouhanan Guedmo, et on avance, et voilà. Donc, il n'y a pas à faire plus que ça. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on va faire plus que ça. Donc, la balle est dans son camp. Mais, entre guillemets, voilà. Ce n'est pas la balle est dans son camp ou la Nsenna. Non. Le jour où il vient, il dit voilà, maintenant, coach, il sait à quelle porte taper. Et il me dit, coach, je suis. Tout à vous, en tout cas à l'équipe nationale, je suis dispo. Et bien voilà, la réflexion, elle se met en place, il devient sélectionnable, il y a une étape. Après, à ce moment-là, il y a l'étape sur laquelle, évidemment, on assiste aux joueurs, pour ceux qui n'ont pas compris. Ce n'est pas le joueur Wahdo, il fait son truc, c'est nous qui s'occupons du dossier de changement de nationalité sportive. Il n'a pas à faire grand-chose, le joueur. Lui, juste avec les mots, il nous dit, c'est bon, je suis disponible. Hop, il y a une machine qui se met en place assez rapidement. Et les choses, voilà, il devient sélectionnable. Donc on n'en est pas dans cette étape-là. Après, oui, on a joué ce stade-là qu'on nous avait présenté comme étant, entre guillemets, le stade de l'équipe nationale. Je pense que chaque pays a un stade principal pour l'équipe nationale. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro match qui doivent se jouer là-dessus. Mais il y a quand même une adresse pour une équipe nationale. Aujourd'hui, si on dit c'est quoi l'adresse de l'équipe nationale, Medjmouch Goulouni, c'est Barrari, puisque l'Amnari match Wahed. Hein? Je répète, c'est pas par jalousie ou par la preuve, non, la gamme abad, mais quand je vous dis que les U17 ont joué largement plus que nous, que le Mahalin ont joué largement plus que nous, que les clubs ont joué largement plus que nous, que les féminines ont joué largement plus que nous, qu'il y a eu des matchs amicaux largement plus que nous, on a les derniers avec un match, alors qu'on disait que c'était notre stade. Apparemment, je ferme les stades. C'est ce qu'on m'avait dit. Il y a quelqu'un qui a dit que je fermais les stades. Ben, je me ferme le stade à moi-même, en fait. Donc, nous, on a l'île SF. Franchement, l'île SF, parce que, bien sûr, une infrastructure telle que Barraki, elle appartient à tout le monde, comme le stade de France en France, ou Wembley en Angleterre, partout, tous les pays du monde. Rien n'y a qu'un stade doit appartenir, tout le monde doit jouer dessus. Parce que... Ah, Shahrahada, il n'y a pas l'équipe nationale. Ah, ben, l'Abou Gafi. Ça, le jour où il y a l'équipe nationale qui vient, ben, ça devient comme ce qu'on va. Il était prévu qu'on aille s'entraîner aujourd'hui, demain dessus, et la veille du match dessus. La veille, c'est normal. Hein? Donc, nous, c'est anormal, puisqu'on va ni demain s'entraîner dessus, ni on devait s'entraîner mardi dessus, et la veille dessus. On va ni s'entraîner mardi, ni s'entraîner la veille. On est dans la même situation qu'à Annaba, sans faire de polémique, mais c'est un fait. Le stade n'est pas. Ils sont en train de dessus, on va l'endommager. Donc elle dit, quand j'explique, les choses elles sont très simples, très claires. Et il n'y a pas besoin de chercher à côté, il n'y a pas besoin de faire de polémique à côté. Il y a une situation qui est là. Donc voilà, ce stade-là, nous avons à le redécouvrir, à rejouer, puis les repères pour ceux qui connaissent le football, c'est important. C'est pour ça qu'on dit match à domicile ou match à l'extérieur. Pourquoi on dit ça toute la journée? Parce que domicile, ça veut dire quoi? T'es supporter et t'es avec tes repères, ton stade, ton terrain, tu connais.
Donc nous, on n'a pas ça. On n'est pas là-dedans. On aura nos supporters, ça, pas de problème, alhamdoulilah. Ou alors qu'il y a le stade, on n'a pas nos repères dessus. Et il faut dire le haq, sans faire de polémique, ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien, apparemment. Il n'est pas dans les... Il n'est pas dans, dans son état le plus adapté, on va dire, à un match d'équipe nationale. Bonjour, coach. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est encore sur cette date FIFA de novembre. C'est une date pour la qualification de Coupe du Monde. Ça tombe à un mois et demi de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, c'est en même temps deux matchs importants, vous l'avez dit, contre des équipes qui ne sont pas forcément des foudres de soccer, mais c'est quand même une qualification pour la Coupe du Monde. Et c'est deux matchs et deux dates pour que vous fassiez une idée presque définitive, je dirais même définitive, avant le choix de votre liste en décembre. C'est-à-dire que ce sera des matchs qui auront une double importance pour vous, les jouer sérieusement, quelle que soit la qualité de l'adversaire, et en même temps, peut-être vous faire les dernières idées ou les dernières certitudes avant de faire votre choix pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc ma question, elle est comment vous allez allier les deux. Ça, c'est ma première question. La seconde, vous allez peut-être dire qu'on va essayer de rentrer un petit peu dans votre tête, mais c'est aussi le but un peu d'une conférence de presse avec Belmadi. Il y a plus de secret maintenant pour les équipes de foot. Tout le monde peut regarder les adversaires. On a même parfois peut-être dit que la façon de jouer de Belmadi est devenue prévisible. C'est vrai que c'est un jeu plutôt offensif, où il y a un pressing haut, récupération, on joue beaucoup sur les côtés. C'est souvent par là que viennent les buts. Ma question, souvent, dans cette conférence de presse, on est revenu sur le nom. Pourquoi celui-là? Pourquoi pas celui-ci? C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est est-ce que Belmadi peut encore surprendre? Et avec cet espoir de surprise, est-ce qu'il a déjà trouvé l'effectif qui pourra jouer en Coupe d'Afrique avec des dispositifs, des systèmes et des philosophies différentes? Voilà ma deuxième question. Bonne question. Les systèmes et les dispositifs, je commence par cette question, c'est celle qui m'intéresse le plus. Les systèmes et les dispositifs mis en place sont importants. De jouer une défense à 3 ou de jouer une défense à 4, c'est complètement différent. Mais donc c'est important. Mais c'est réellement l'animation qui est le plus important. J'ai entendu, j'aime quand ça parle comme ça, tactique, on peut être d'accord, pas d'accord, bien sûr, évidemment. On ne détient pas la science infuse ultime. C'est de grave erreur de penser comme ça. Et on apprend tout le temps. À partir du moment où on se place dans cette position d'une personne qui veut à chaque fois savoir comment on peut être meilleur encore. L'animation est importante. Quand j'ai déjà vu sur une émission où on parlait après un match où des techniciens, pour le coup, des vrais techniciens, c'est-à-dire des joueurs qu'on joue à un certain niveau, se posaient la question sur... Alors il y avait un mix entre des techniciens et des animateurs, donc des animateurs qui peut-être sûrement connaissent le football, mais peut-être pas autant que les techniciens. Quelqu'un qui a joué des matchs, qui a joué des Coupes du Monde et quelqu'un qui n'a jamais porté un maillot de foot de quelque division que ce soit, c'est pas la même chose. Ils ont beau parler de la même chose, mais c'est pas le même niveau d'interprétation d'un match. Donc à un moment donné, il n'y a pas très longtemps de ça, on parlait du système dans lequel on avait joué, je crois, cet après-match du Cap-Vert. Et chacun avait sa vision des choses. C'est bizarre. On regarde un match, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le système que l'on voit. Et j'avais juste envie de leur dire tout simplement, et alors qu'il y avait des techniciens, c'est un problème d'animation. On n'est pas, le football est un sport où c'est... Moi, je le compare souvent, c'est pas moi, plein de gens l'ont fait, à une partie d'échecs. Donc, tu bouges tes pions en fonction, avec une stratégie. C'est pas quelque chose de statique. C'est pas quelque chose qui doit être statique. OK, il y a des systèmes qui sont classiques, on les voit, et même dans leur animation, c'est classique. J'ai jamais été dans cette configuration-là. Je voulais souvent dit,
Et ce que je vous ai dit, ça a représenté justement ce débat-là, où il cherchait à savoir, par exemple, au milieu de terrain, si c'était 2 et 1, ou 1 et 2, une sentinelle et 2, 8, 2, 6 et 1, 10. Et c'est quoi 4-1, 4-1, 4-3-3. Qui peut me dire c'est quoi la différence entre un 4-3-3 et un 4-1, 4-1 ici? C'est un lourd débat. Mais le détail est infime dans l'interprétation d'un système. Donc ils n'arrivaient pas à comprendre. Mais si on leur disait, écoute, avec le ballon, on est dans cette configuration, et sans le ballon, on est dans cette configuration. Défensivement, on est comme ça, offensivement, on est comme ça. En fonction d'une organisation adverse, en fonction d'un positionnement adverse, et qu'il faut avoir cette flexibilité et un système modulable, notamment au milieu de terrain. Donc c'est des choses qui pour moi me semblent évidentes et sur lesquelles on a travaillé, et c'est peut-être pour ça que certains n'arrivent pas à comprendre dans quel système on joue, parce qu'ils voudraient avoir offensivement, défensivement, avec et sans le ballon dans tous les compartiments des lignes bien précises pour savoir ce que l'on est. C'est l'animation qui fait qu'on ne peut pas clairement des fois dire dans quel système on joue. Donc le système est important, mais l'animation l'est encore plus, et c'est là qui est notre travail. Donc, pour répondre à la question, à savoir comment on va faire pour encore surprendre, encore truc. Vous pensez que je vais commencer à moi du jour au lendemain à sortir d'un système à un autre système complètement différent? Qui fait ça au monde? Non, je sais. Quand on joue contre le Cap Vert avec une sorte de 4-4-2, 4-4-1-1, 4-2-3-1, c'est la même famille. Ça dépend du profil du joueur qui est derrière l'attaquant. Ou si c'est deux attaquants purs, Slimani et Bardad Bounedjah, Slimani et Amin Gouiri, Slimani et Fares Chaibi, c'est différent. Le joueur, mais c'est de la même famille. C'est un joueur qui est là sur l'animation offensive, sur l'animation défensive. Est-ce que c'est la même chose qu'un 4-3-3 où il n'y a pas de joueur derrière l'attaquant? Non. Donc on a joué comme ça, par exemple, contre le Cap Vert avec Emin Gouiri derrière Slimani. Et par exemple, contre l'Égypte, c'était différent. Contre le Sénégal, c'était différent. Donc, et si on regarde les trois matchs, donc on gagne 1-0 au Sénégal, on fait 1-1 contre l'Égypte, on gagne 4-1 contre le Cap Vert. C'est des évolutions en fonction aussi de l'adversaire, sans perdre pour autant, et c'est ça qui m'intéresse. Comment tu dis ? Ouais, son identité. Donc on peut être dans une animation différente, un système différent si on le veut, mais qui reste dans notre identité. Donc quand vous regardez par exemple Liverpool, quand vous regardez Manchester City, quand vous regardez, ils ont une identité précise. Klopp, ça fait 10 ans qu'il joue avec le même système. Il a gagné des Champions League, il a eu une Champions League, c'est déjà beaucoup. Il a gagné ça, il a perdu après. Est-ce que pour autant, il a tout remis en cause? Est-ce que justement, est-ce que c'est pour autant une garantie de résultat? Souvent non. Non, mais... Déjà, c'est vrai que le football est un rapport de force en fonction de l'adversaire que l'on a. On n'a pas toujours imposé le jeu, en tous les cas le jeu identifié. Mais moi, j'avais dit une fois, j'aimerais jouer tous mes matchs comme ça. Par exemple, City, son cap, c'est sûr et certain. Bon, c'est un travail qui est différent. C'est un travail où travailler tous les jours du quotidien, on n'a pas ça. Donc l'équipe nationale, c'est complètement différent. J'aimerais avoir ça, mais quand on joue contre le Sénégal, on est plus dans le réalisme qu'autre chose, quitte à travestir un petit peu certaines choses, mais le plan de jeu est peut-être différent, mais l'idée d'aller, par exemple, le premier match de groupe à la Coupe d'Afrique 2019, il ressemble pas à la finale.
Donc, et pourtant, c'est les deux mêmes équipes à un joueur près. Donc, ça, on est absolument dans cette réflexion-là tout le temps. Après, je vais vous dire quelque chose dont vous allez vous rappeler. Avant la Coupe d'Afrique 2019, sur les deux matchs de préparation, il y a des joueurs que vous n'avez pas du tout, comment dire, où il y avait une grande, où il y a un grand scepticisme. Adeline Guedjura n'avait quasiment pas joué de toute l'année, parce que j'ai eu une année pour travailler entre juillet 2018, entre septembre 2018 et juin 2019. Donc il n'avait pas joué toute l'année. Un poste clé. Ismaël Benacer, il n'avait pas joué quasiment toute l'année. Poste clé. Sofiane Figouli, que l'on fait passer, il commence à jouer contre le Togo dans ce poste de milieu relayeur, forme de box-to-box. Donc il y a toute une formation qui se fait, finalement, pour le trio offensif, on l'avait. Pour la défense centrale, on avait démarré avec, rappelez-vous, contre le Togo, qui est un match important au Togo, avec Tarat et Belhamri. On se retrouve après à réinstaller Issa, qui jouait beaucoup arrière-droit en sélection. On le réinstalle avec un mois. Je me rappelle, on le réinstalle contre la Tunisie. C'était au mois de mars-avril. Donc c'est un match, et puis ensuite il enchaîne les deux matchs de préparation. C'est trois matchs. Donc il y a quatre joueurs à peu près qui n'étaient pas là durant toute une année, et pour des raisons diverses, et qu'on réinstalle finalement au dernier moment. Et puis avec le résultat que l'on connaît dans la CAN. Alors qu'il y a beaucoup de... Donc le football, déjà on part du principe que quand on vous donne ces éléments-là, c'est pas une science exacte, et que surtout on est dans la perpétuelle réflexion et analyse. Et quand je vous dis ça, juste pour terminer, ça ne veut pas dire qu'on ne planifie pas, je ne fais que ça planifier. Mais je ne fais que ça planifier avec toujours cette part au fond de moi qui me dit il y aura aussi cette part d'incertitude et il y aura aussi cette part de dernière minute et il faut que tu sois capable, que tu aies cette flexibilité psychologique, intellectuelle, de dire que là il faudrait que tu changes les trucs. Et puis mon boulot c'est ça, et prendre ce, pas ce risque, c'est un risque en tout cas que j'aurais largement, très largement calculé, qui donnera ses fruits ou pas. C'est la loi du football mondial, pas l'Algérie. Si c'était que l'Algérie, je le répète souvent, je ne vais pas nous mettre le doigt où ça fait mal, on aurait plus de titres dans notre vitrine. Si tous les entraîneurs ils faisaient toujours les meilleurs choix, les meilleures organisations, les meilleurs joueurs, les meilleurs trucs, pourquoi on n'a pas de titres? Il faut vous rendre à l'évidence, les gars. Ça, c'est une certitude, personne ne peut me dire le contraire. Il faut vous rendre à l'évidence. Et ce n'est pas le lot de l'Algérie, c'est le lot du monde entier. Il y a des nations, elles ont 100 ans, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nations, une majorité de nations, elles ont 100 ans d'existence, par exemple, 100 ans qu'ils jouent au foot, un siècle, ils n'ont pas gagné une coupe. Il ne faut pas croire que... Il y a des nations, ils en ont gagné beaucoup, parce que c'est des nations fortes, que ce soit les forts potentiels, le Brésil, la France, des forts, forts réservoirs, l'Allemagne, en Afrique, on avait l'Égypte, voilà, c'est un fait, ça, il y a des mathématiques, c'est arithmétique, c'est... Voilà. Ismaël aussi. Pourquoi je dis Ismaël? C'est qu'Ismaël n'avait même pas le vécu d'Adeline Guedjura. Ismaël n'avait pas de sélection, quasiment pas de sélection. C'est un chantier, ouais, c'est un chantier. Moi, on n'est pas des maçons, mais c'est vrai. Je connais dans le jargon, je sais ce que ça veut dire. C'est vrai que bon, j'ai pas pour l'habitude de donner certaines choses, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées sur ce milieu de terrain là. J'avais toutes les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir mettre en place ces choses là. Parce que des blessures, parce que des joueurs qui n'étaient pas là. Par exemple, je vais sortir un nom qui sorte du truc. Par exemple, un Nabil Bentaleb.
j'ai vraiment bon espoir pour un joueur comme lui. Il a pris il arrive à un âge où il a une vraie maturité dans son jeu. Je parle pas en tant qu'homme, ça c'est à la limite c'est pas votre préoccupation. Moi je vois Nabil il y a 5 ans quand je suis arrivé et aujourd'hui déjà, énormément mûri déjà personnellement et ça se reflète dans son jeu. Donc comme vous êtes en train de dire et vous savez que ce poste est essentiel et est un poste clé, que ce soit un ou que ce soit deux, c'est possible. Les choses ne sont pas arrêtées là-dessus. Donc je sais que voilà, si un joueur comme ça donne sa pleine mesure, on peut mettre en place beaucoup de choses que j'ai en tête et on peut avoir de belles perspectives. Oussem Aouar, le jour où il aura vraiment tout digéré, tout ce qui est en train de se passer là, il est tombé, je le sais depuis longtemps, pour en avoir discuté avec son entourage, il est tombé là où il faut pour moi, pour pouvoir combler certaines lacunes qu'il avait. Les qualités, on les connaît, et je pense que il est au meilleur endroit avec peut-être la meilleure personne pour ce genre de lacunes qu'il a, et donc ça va nous servir, ça va in fine lui servir et nous servir. Donc le problème c'est que c'est neuf, il vient à peine d'arriver, donc les choses faut qu'elles se mettent en place. Je vous ai dit, un Amine Gouiri, quand il occupera son poste et qu'il aura plus de matchs et qu'il rentrera dans une forme de d'automatisme, ça laisse avec ses coéquipiers et son entourage, ça laisse présager de belles choses. Un Fares Chaibi, il est en train de grandir et il est en train de passer des étapes avec en Allemagne. Il y a des promesses. Donc j'ai tout ça en tête. Un Amoura, qui a sa manière, avec un style différent de ces gars-là, mais que je vois de manière hyper importante dans le continent dans lequel on joue et dans des conditions bien précises. C'est super intéressant. C'est une question de temps, ça. Ça, c'est là, je viens de vous citer des joueurs qui sont tout neufs, qui arrivent comme ça et tout. J'ai pas une baguette magique. Je vais faire le maximum pour que ça prenne tout de suite et qu'on fasse les bons assemblages et les bonnes compositions pour qu'ils puissent tout de suite être dans le coup et avoir ce vécu, ces automatismes-là. Si regardez le Sénégal, si regardez par exemple leur milieu de terrain, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a l'avènement de certains joueurs, il y a le joueur de Tottenham, je crois, c'est Sarr, de Tottenham. Il y a des joueurs qui émergent. Mais dans l'ensemble, c'est le groupe est là. Donc nous, on a eu une vraie révolution dans ce groupe-là, avec des joueurs de qualité, certes, mais on n'est pas, vous savez très bien que ce n'est pas un assemblage d'individualités que l'on met à Rouaïl Amlir, et trucs, c'est sûr qu'il réussit. Et des fois, on se regarde que nous. Si je regardais l'équipe du Nigeria, si vous regardez par exemple leurs 3 attaquants, ils ont Osimhen, niveau classe mondiale. J'ai regardé le match Montpellier-Nice, l'attaquant de, je ne sais pas si vous voyez, je me rappelle de ce nom, l'attaquant de Montpellier, très très fort. L'attaquant de Nice, d'ailleurs, il y avait les deux avançantes, c'est Mofi, très très fort. Donc ils ont juste ces 3-là, c'est du très lourd. Déjà, si toutes les équipes, on ne faut pas se regarder, nous, ouais, mais nous, si on a Nice, on a ça, mais regardez les autres équipes aussi. Regardez le Mali, ce qu'ils ont, regardez le Sénégal, ce qu'ils ont, regardez, toutes ces équipes-là sont très très fortes. Donc c'est pour ça que je dis que, parce que si on prend une qualité individuelle, c'est vrai que nous, on a tendance à regarder nous seulement. Alors, il faut regarder les autres, ce qu'ils ont aussi. Et c'est pour ça que je dis que la star est vraiment, je le pense, et ce qui nous fera gagner, c'est pas un joueur, c'est pas deux joueurs. Parce que Houmateni, ils ont un joueur et deux joueurs, ils en ont même plus. C'est le collectif et le groupe. Et c'est ça qui nous a fait gagner en 2019. C'est ça qui nous a fait durer sur le temps de 2019 à janvier 2022. Ça a été ce groupe-là. Bien sûr, avec des individualités qui vont sortir ici et là, lui va mettre des buts, lui va bien défendre, lui va bien... Bien sûr, ça va être ça. Mais c'est avant tout un groupe. Et c'est ça que je suis en train de créer, moi. On termine. Salam alaykoum, coach. Hussein Bouchker, Zaire Tu. Coach, قبل شهر ونص من بدايه الكان كوت ديفوار
جل المنتخبات المنافسة سواء اللاعبين ولا مدربين يرشحون الجزائر لتتويج بالكام، خاصة وأنه أنت كنت قلت أنه لما الشعب الجزائري يقول لك الشعب يريد كوب دافري، قلت من في دارنا ونسمع يقولوا لي هكذاك. كيفاش تشوف حظوظ المنتخب الجزائري؟ هل هذا الأمر يشكل لك ضغط نفسي وضغط كبير على اللاعبين قبل اللي كان، ولا يعتبر حافز ودعم كبير باش تذهبوا بعيدا في هذا المنافسة؟ احنا أول ضغط لي على الناس، الضغط اللي نعمله واللي نعمله في نفسنا، الضغط لي عندنا احنا دي سي الطموح لي عندنا ديجا. دونك لا الشعب يقول هذا من حقه يقول لك كيما هكا. Il a parlé des gens aussi qui disaient qu'on était candidat, favori. Les Nas Ligoulokimak a dit pour moi c'est de la stratégie. Qui veut une équipe qui sort au premier tour de la CAN, Goula elle est favori pour la prochaine Coupe d'Afrique. Elle a dit c'est une stratégie. Elle dit. Moi je crois pas en ça et j'ai pas besoin d'écouter Nas. Écoute un Goul, toutes les équipes Hadou, elles ont toutes les grosses équipes, elles ont garandum des effectifs. Et toutes, elles ont des grands joueurs qui jouent partout. Donc ça, elle dit, on ne touche rien de nes. Voilà qu'on a un tomoh, on est des compétiteurs. Et un compétiteur, c'est comme ça qu'il doit penser, qu'il doit réfléchir. On va d'abord se regarder nous. On va d'abord voir comment. Il y a eu des matchs, par exemple, qui sont passés où vous disiez, est-ce que ça c'est un match référence, match référence. Style Sénégal, style Égypte. Ouais, c'est des matchs sur lesquels, bien sûr, en tant qu'entraîneur, je les ai choisis. On a les Khayertom. Il y en a plein qui m'ont dit, Allah, tu prends des risques à aller faire, par les temps qui courent, en équipe en complète reconstruction. Le Sénégal fait Adelwart, les Shahar Goudem, ils avaient battu le Brésil 4-2. Tu prends des risques à te mettre de la. Au KNS, KNS Sénéo. Comme d'habitude, on avait quelques bouchers qui avaient bien aiguisé les hachoirs. L'île SF. Ils n'ont pas compris que c'était leur équipe. Donc nous, on a certaines références, on a des certitudes. Mais le travail continue. Le travail continue pour ce que je viens de dire là, pour tous ces joueurs qui arrivent et qui il faut qu'ils comprennent c'est quoi l'équipe, c'est quoi ce continent, comment ça fonctionne. C'est pas comme mon club, c'est pas comme en Europe. Le jeu est différent, le football est différent, les terrains sont différents, le climat est différent, mes partenaires sont différents. Comment je vais faire? Donc on est dans une, entre guillemets, course contre la montre, parce que c'est ça une équipe. C'est ça, c'est des automatismes, c'est un vécu ensemble, le khibra ma'abad. Elle dit, mais on ne l'a pas encore. C'est pour ça qu'il y a aussi des joueurs, parce qu'ils sont performants, parce qu'ils sont compétitifs, les random khibra, c'est pour ça qu'ils sont encore là. Je ne vais pas changer, il n'y a que nous qui veulent qu'on change des équipes à 100% de... Ça n'existe pas, ça. Elle dit, donc... Tomo Hanna, mais on va rester tranquille. Nous, on est l'équipe. J'ai reçu tellement de coups sur la tête. On est l'équipe qui est sortie au premier tour. Donc, mais Blounesh avec Adita, histoire de favori ou la lachor. Incroyable. Il ne rend pas fou avec ça. On va travailler en silence, tranquillement. Et Inch'Allah, nous sommes là. Barinro. Salam alaikum, coach. Je suis Ardouane Boukar, je suis de Qanat Chirouq News. يعني شوفوا بعض الأندية الأوروبية التي لا تسمح للاعبيها في المشاركة في كأس إفريقيا ما هو عرضكم. ثانيا شفنا عودة بن طالب أدمو الناس في حين لم نرى في اسمح لي أوندي ديلور اللي راهو تألق في الأسبوع هذا في قطر، هل هو يتواجد ضمن حساباتكم مستقبلا؟ وكلمة أخيرة حول إخواننا غزة المستضعفين. جيت روتار أنت. نعم. جيت روتار. لا كلمة الآن. قلتها. كلمنا على غزة. اختموا بها. نا. دولار كي تقول دولار كما قلت تونو زامي دولار كي تقول دولار قول معمن راه في المنافسة. Alors après c'est ton goût, c'est la vanille, le chocolat, la fraise, donc c'est ça, c'est quand on cite un joueur, on le met tout de suite en concurrence. Je ne vais pas prendre trois attaquants de pointe. Déjà j'ai Amin Gouri qui peut faire partie de ça. Ça c'est sûr, je ne prendrai pas trois attaquants de pointe pour la prochaine compétition. Et c'est quoi
والناس بنت علب. هناك بعض الأندية الأوروبية التي لا تسمح للاعبيها بالمشاركة في كأس إفريقيا وتهددهم بتضييع مكانتهم الأساسية في الفريق. كاين لي دات فيفا كي سون إتابلي ولازم الأندية حنا لازم نحترمهم والأندية لازم تحترمهم. دونك هذه هي. Merci. إذن مشاهدينا كانت هذه الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بالماضي التي تسبق المواجهتين الرسميتين.